Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous présenter deux commandes que j'ai reçues récemment de la boutique Blitzy. C'est une boutique américaine que nous avait conseillé Vushka. Et une autre commande de Amazon. Donc je vais commencer par la commande de Blitzy. Donc je vous montre, j'avais acheté la collection de papier de Simple Story Romance. Donc il y a 12 papiers de 30 par 30. Je vous montre un peu les motifs. Donc il y a ceci. Celui-ci. Celui-ci j'aime beaucoup avec le petit cœur. Là avec des planches de bingo. Ici. Avec des fleurs. Celui-ci qui est très joli aussi avec un cœur et un effet bois. C'est des cartes postales. On a des cartes. Des petites fleurs. Encore des cartes de Project Life. Des cœurs. Des cartes encore. Celui-ci j'aime beaucoup, c'est un papier avec un texte en fond, si vous voyez bien. On a des roses encore. Et le dernier, des petits pois. Et mon préféré, c'est un papier avec un mur de briques, avec un cœur rose. Et dans le kit, il y avait aussi une planche de stickers. Donc voilà, comme ceci. Donc le kit était à 11,75 € et je l'ai vu à 15,25 € sur le site dans mes pochettes. Donc ça vaut le coup, moi je trouve. Ensuite, j'ai acheté donc la même collection romance de Simple Story. Des die cuts. Voilà, vous avez tous ces motifs là. Donc celui-ci je l'ai payé 3,35 € et sur le site dans mes pochettes il était à 4,45 €. Donc pareil, une économie de 1 € et 10 centimes. Ensuite j'ai acheté de la glu, donc de la colle Tacky Glue. Je voulais tester depuis un moment. Et je l'ai pris en format stylo, donc à 1,82 €. Et sur le site Cartoscrap, je l'ai vu à 2,95 €. Donc je trouve que les prix sont vachement intéressants. J'ai trouvé aussi une Distress Oxide Lucky Clover, donc c'est une verte. Comme ceci. Je la trouve trop belle. Je l'ai payé... pareil, 3,35 € et sur le site de la fourmi créative à 5,70 €. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des nouveaux. Donc c'est des poudres embossées glitter. Donc celle-ci c'est la argentée. J'ai pris la noire.
argenté, pailleté, pardon. Et la Shimmering Pearl, donc c'est pour moi, c'est j'ai testé, c'est du transparent pailleté. Et donc à l'unité, je les ai eues à 3,57 et sur la fourmi créative, elles sont à 4,75 €. Donc pareil, ça vaut le coup. J'ai acheté aussi de la pâte à texture, pardon, de la marque Bobony. Donc c'est la couleur rose gold. Et je l'ai eu à 4,75 et à 5,30 sur la fourmi créative. J'ai acheté aussi de la Versamark pour réancrer mon pad qui est sec. Voilà. Je l'ai payé 4,75 € et sur Scrap Malin, il est à 7,09 €. Donc là, ça valait vachement le coup. Et le dernier article que j'ai commandé sur Blitzy, c'est cette planche de stickers. Pareil, Simple Stories. De la collection The Reset Girl. Je l'ai eu à 1,40 € au lieu de 2,88 € sur la fourmi créative. Donc j'étais très contente de mes achats et je remercie vraiment Vushka de nous avoir conseillé ce site parce que c'est vachement intéressant. Et je pense recommander rapidement sur cette boutique. Ensuite, donc, je vais vous présenter les achats que j'ai faits sur Amazon récemment. Donc c'est principalement pour mon bullet journal. Donc en premier lieu, j'ai commandé les Crayola Super Tips que j'avais vu sur YouTube. J'en ai entendu que du bien. Comme quoi ça ne transperçait pas les feuilles sur le bullet journal. Et en effet, ça marche. Et en plus de ça, je peux m'en servir aussi pour mes coloriages. Avant, j'avais des feutres, je les utilisais et ça transperçait l'autre côté de la feuille. Du coup, je pouvais pas faire le coloriage qui était de l'autre côté. Donc, je trouve ça super pratique et super intéressant. Donc voilà, ça j'ai déjà testé et j'adore. J'adore, pardon. Ensuite, j'ai acheté des stabilos pastel. Donc vous avez un jaune, un orange, rose clair, je dirais parme, bleu clair et vert clair. Pareil, j'adore, j'ai détesté. J'ai acheté une planche de tampon de Carabel Studio. Donc ça, c'est la première fois que j'achète. Et pareil, je vais vous montrer. Donc j'ai testé ce que ça donne. J'ai fait des tests. Donc des petits mots comme ça. Vivez la vie que vous avez imaginée. Toutes les images racontent une histoire, pardon. You make my heart so happy. Que des petits mots comme ça et vous voyez, des petits mots. Vous avez des mots en français et des mots en anglais. Et j'ai trouvé ça super top. Il y a des mots aussi plus pour le scrap, handmade, fait maison, bluette. Donc c'est super. Et un autre achat donc pour mon bullet journal que j'ai acheté, c'est Unipen. Par contre, là, je suis un peu déçue parce que je me suis trompée. J'ai acheté, si vous voyez, la mine 0,05 et je pensais que c'était une mine 0,5. Donc, du coup, c'est un peu trop fin. Donc, voilà pour mes achats. Donc, si vous voulez, je peux vous parrainer pour le site Blitzy. Donc, je vous mettrai le lien de mon parrainage dans la barre d'infos. Et donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour passer commande. Vous ne serez pas déçus, en tout cas, parce que vous ferez de sacrées économies. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.